Bonsoir les amis, voilà. Donc je reviens à vous. Donc voilà, donc là je vais vous raconter un peu ce qui m'est arrivé là tout à l'heure. Donc j'étais au Norma à Utz à pied, hein, c'est tout près de chez moi, hein, pour acheter un petit crément, d'accord, parce que j'en ai plus. Et puis j'ai rencontré mon ami Paco, hein, mon ami des karaokés, un fan de Renault. D'ailleurs, il l'a rencontré et puis récemment, hein, donc durant cet été. Et Paco, bien, m'avait déjà dit que Renault n'était pas bien du tout, d'accord, et qu'il ne voulait même pas lui parler. C'était la première fois parce que chaque année, il va dans ce restaurant à une certaine heure. Il savait très bien ce que Renault s'y trouvait, hein, donc voilà. Et là, Renaud, pour la première fois, il a dit, c'est même pas la peine, je suis mal et je ne veux pas te parler. Et donc, on a longtemps discuté, on a discuté à des sujets, bon, parce que lui, il n'est pas politique comme moi, mais bon, il est intéressant. Hein, on a discuté de la résistance mondiale, parce qu'il a mis des vidéos sous forme cachée, bien sûr, parce que... Moi, j'en dirai pas plus parce que peut-être que sinon, si on dit plus, cette vidéo va être censurée. Et enfin, je me suis dit, mes amis, je vais retrouver mes amis parce que je vais leur chanter une petite chanson. Alors, j'ai écouté une fois, deux fois, bon, une chanson de Michel Sardou. Je ne suis pas mort, je dors. Alors, cette chanson, elle est dédiée, elle est en hommage à Clo-Clo, à Claude François, d'accord? Donc, un peu la situation, pour la décrire un petit peu, c'est comme, vous allez entendre, ben, c'est comme si Claude François nous laissait un dernier message sous sa tombe, mort, d'accord? Je ne suis pas mort, je dors. Voilà. Elle m'a beaucoup touché. Pourquoi? Pourquoi j'ai choisi cette chanson? Ben voilà. Car ça serait à peu près le même message que je vous laisserais à mes proches, à mes amis, à tous et à toutes, si j'étais mort. Je ne suis pas. Je ne suis pas mort, je dors. Michel Sardou, en hommage à Claude François. Donc j'ai cliqué. Et là aussi, il y a de l'indulgence à nouveau parce que je ne l'ai écouté que deux fois, d'accord? J'ai pas quoi à la maison. On a bu deux picons parce qu'il adore le picon chez moi. Il m'a dit que le ménage chez lui, c'était quand même mieux. Bon, ben voilà. Je vais m'appliquer peut-être ce week-end à faire un meilleur ménage. C'est assez moyen. Hein. Donc il m'a dit, c'est moyen. Voilà. Pas très fort en ménage. Bon, j'espère bien vous la chanter par contre. Allez, on y va. Un peu d'humour, un peu de simplicité. Ne m'enterrez pas encore. Je ne suis pas mort. Je dors. Et n'encombrez pas ma mémoire de vos regrets, de vos histoires. Je dors. Rangez-moi dans vos souvenirs. Mais je n'ai pas fini d'en finir. Je dors. Je dors. Gardez vos larmes, c'est vos cris que l'on m'ait aimé ou haï. Je dors. Si par hasard, sait-on jamais, j'avais un ami qui m'aimait. Tant pis qu'il m'oublie. Je dors. Non, mais je vous fais des biens.
Plein de bisous. Les enfants, mais toi, je suis tout ouvert. Il y en a beaucoup. J'ai pas d'ennemis. Maître des ombres et des lumières. Combien dure une éternité? Combien de fois faudra-t-il faire la même route pour arriver? Combien de lunes à disparaître? Combien d'hommes encore à renaître? En attendant, je dors. Je ne veux pas qu'on m'ensevelisse. Je ne veux pas être piétiné. Je dors. J'aimerais qu'un océan rugisse. Tous ces chevaux sur des rochers. Je dors. Je dors. Il ne couvrait pas ma mémoire de chrysanthèmes, de femmes noires. Je dors. Si quelque part, sait-on jamais, j'avais un ami qui m'aimait. Tant pis qu'il m'oublie. Je dors. Je dors. Je dors. Voilà, mes amis, bisous. Peut-être à une prochaine. Allez, plein de bisous. Tchuss, tchuss, ciao. Auf Wiedersehen.